Elles font 35 cm et tournent avec des moteurs 2 chevaux. Ces petites voitures radiocommandées sont très équipées. Elles concourent à une compétition régionale. C'est une course, 80 pilotes. Et ça va se dérouler sur la journée. Ça a commencé ce matin à 8h jusqu'à 18h ce soir. Ce matin, c'est les qualifications. Et dans l'après-midi, on va faire les remontées jusqu'à la finale qui aura lieu vers 17h30-18h. C'est parti. Le club de modélisme de Maurepas va fêter cette année ses 50 ans. 130 adhérents le composent sur 3 catégories différentes, la voiture électrique, le slot race et la voiture thermique. Cette dernière fait l'objet de notre compétition du jour pour laquelle les pilotes viennent de toute la France. Le club est super sympa, donc et puis retrouver également l'ambiance avec tous les potes avec lesquels on roule en général au club. Sur le stand de préparation entre deux courses, les pilotes, aussi mécaniciens, bichonnent leur bolide. Je suis en train de changer ma batterie parce que là, je roule pour 20 minutes, donc j'ai besoin de changer ma batterie. Une passion qui se transmet ici de père en fils, les plus petits entrent en piste au milieu des grands. Parce que j'aime bien les voitures et quand j'ai vu mon papa faire, ça m'a donné envie de faire. Le jeune Mathis, prometteur, a remporté la compétition dans sa catégorie. Prochain rendez-vous pour le club ce samedi 25 mai pour une course vintage en intérieur.